Allez, il est 13h30, on va pouvoir lancer le live dans quelques minutes. Merci d'être là. Je crois qu'il y a quelques portions de burger qui devraient sortir de la salle de jury. Pour vous. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct sur les réseaux sociaux. Nous sommes ici depuis Paris Expo Porte de Versailles à l'occasion de l'édition 2023 du salon Sandwich et Snack Show. Pendant deux jours ici à Paris, bien, ce sont tous les professionnels de la restauration rapide qui se retrouvent et à l'occasion de cet événement, eh bien, chaque année, nous avons beaucoup de plaisir à vous retrouver pour vous présenter l'un des concours dont on va encore beaucoup parler dans les jours qui viennent, puisqu'il est extrêmement couvert par la presse locale, la presse nationale. C'est la Coupe de France du Burger by Socopa. Je salue toutes les équipes de Socopa qui nous suivent un peu partout sur le territoire. Socopa, c'est une histoire qui a débuté en 1953 par deux frères qui ont créé la maison. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont 6000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire français, 13 ateliers qui réunissent des amoureux de leur métier. Merci en tout cas à toutes les équipes de Socopa qui nous regardent. Cette année, nous fêtons les 70 ans de Socopa, 1953. 2023, l'occasion pour nous, eh bien, de revenir dans les années 50, les 50s, de remettre à l'honneur à la fois le burger, de revisiter cette recette qui est à la fois traditionnelle, de voir comment est-ce qu'on peut un peu casser les codes, et puis surtout mettre en avant le rock'n'roll. C'est toute la thématique de cette édition 2023 de la Coupe de France du burger. Je vais vous présenter dans un instant les 5 candidats qui vont jouer dans quelques minutes pour la finale Sud-Est. Ils sont 5. Certains ont déjà participé à l'aventure, pour d'autres, eh bien, c'est la toute première fois. J'en profite juste pour vous rappeler que comment sont faites les sélections de manière très rapide. Des dossiers sont envoyés lors de l'ouverture des inscriptions en début d'année. Il y a une première sélection qui est faite sur dossier. Et puis après, de manière totalement anonyme, eh bien, sur 100 dossiers retenus, on retient 25 candidats. Mais on ne sait pas qui ils sont. C'est la raison pour laquelle, eh bien, des fois, nous avons des candidats qui ont déjà participé à des éditions précédentes. Et pour d'autres, eh bien, c'est la première fois. De président du jury dans quelques instants. On va commencer par le premier candidat. Je vais me rapprocher de Grégoire. Grégoire, chef gérant, une fin de loup à Étoile-sur-Rhône, c'est près de Valence. Ça va, Grégoire? Ça va. C'est bon. Ça ira mieux? Dans 20 minutes. Dans 25 minutes. Voilà. Les dernières minutes sont généralement les plus importantes. Est-ce qu'à la carte d'une fin de loup, puisque tu es le chef gérant de ce restaurant, est-ce qu'il y a des burgers à la carte? Bien sûr, on fait que des burgers. Vous avez participé à l'édition 2022 l'année dernière, c'était ta première participation l'année dernière. Est-ce qu'en l'espace d'un an, tu as été sélectionné pour la finale nationale l'année dernière ou pas? Non. Non. Gagnant. Donc tu as fini deuxième. Est-ce que sans accéder à la finale nationale, ça a permis peut-être d'accroître ton chiffre d'affaires ou de pousser l'activité? Ouais, carrément. Ouais, vraiment. Vraiment, il y a eu un enthousiasme et c'était vraiment sympa.
Bon, tu retrouves certains candidats, peut-être que tu avais connu la dernière. On va voir Sandrine dans quelques instants. Bonne chance dans ce concours, Grégoire, et à tout à l'heure. On a Quentin qui se trouve ici. Quentin qui participe pour la toute première fois à ce concours. Ça va, Quentin ? Très bien, oui. La pression, est-ce qu'on l'a un petit peu quand on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque ? Et bizarrement, je l'ai eu plus en regardant les autres finales ce matin que maintenant que j'y suis. Donc, Attends, le chrono n'est pas encore lancé, hein, donc attention. Chef Gérant, le Taylor's, c'est à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il y a des burgers à la carte ? Que des burgers. Il n'y a que des burgers. Alors, et celui que tu vas dresser en direct dans un instant est fait spécialement pour le concours ou il existe déjà à la carte ? Il est fait pour le concours et il sera à la carte pendant 15 jours, je pense, pour faire l'événement. Est-ce qu'il pourrait être champion de France du burger ? Les jurys le diront. Les jurys le diront. Merci en tout cas, bonne chance à toi dans ce concours, Quentin. Je me rapproche de Lionel. Lionel qui avait participé à l'édition 2020. Ça va, Lionel ? Ça va, merci. Alors Lionel, en 2020, c'était une autre ambiance hein, qu'ici, Porte de Versailles. Hein. Tu peux nous rappeler dans quelles conditions on était en 2020 ? On n'était pas du tout ici, on était dans un endroit fermé avec la fameuse jauge pour le public et très peu de temps aussi pour rester sur le lieu. Donc c'est vrai que là, ça change complètement de 2020. Quel est le burger, tu nous raconteras l'histoire dans quelques instants. J'en profite pour rappeler que tu es chef gérant de The Home Restaurant, c'est ça ? On est à Bédouin dans le Vaucluse ? C'est ça, au pied du Mont Ventoux, au pays des cyclistes. Voilà. On mange bien et on boit bien aussi avec modération là-bas. Mais voilà, le burger, il a été fait spécialement pour le concours ou il est à la carte déjà du restaurant ? Alors, il a été fait pour le concours et au retour du concours, il sera à la carte. Il sera à la carte. Le fait d'avoir participé à l'édition 2020, ça a boosté un petit peu l'activité ? J'ai rempli le resto pendant un an, en fait. Donc, du coup, oui, très, très cool. Bon, c'est génial. Ouais, ben, il sera rempli pendant l'année qui arrive, alors, j'imagine. bonne chance à toi. Sandrine, qui est avec nous, qui avait participé à l'année dernière déjà à ce concours. Ça va, Sandrine ? Bonjour. Ça va. Bien, Sandrine, chef gérante de Sandrine Event Traiteur à Grasse. Alors, Sandrine, tu es dans l'événementiel, c'est ça ? Voilà, je suis dans l'événementiel, mais depuis décembre, j'ai un food truck. Et donc, si... Je participe à la Coupe de France de burgers, c'est pour lancer le food truck à fond. Donc pourquoi pas tout donner. Voilà. Et donc, j'imagine que le burger que tu as élaboré pour ce concours se retrouvera à la carte du food truck. Évidemment, puis 100% féminin, étant donné que je l'ai appelé le pin-up burger. Bon, on parlera de l'histoire tout à l'heure et la manière dont il se présente. Je vois quelques petits accessoires qui font très 50s là, sur le plan de table. A tout à l'heure, Sandrine, et bonne chance dans ce concours. Je veux rejoindre Simon qui participe pour la première fois à ce concours. Simon, chef gérant du restaurant Good. Il y a les supporters qui sont là. Simon, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça ira mieux dans 25. Oui, j'imagine que tu t'es préparé quand même. Oh là là, ah oui, d'accord. On voit les décorations là sur les buns, là sur les pains. On verra le détail tout à l'heure. Tu es à Antibes, restaurant Good, c'est un restaurant de burger ? Pas que. Maître restaurateur, cuisine créative, on va dire. Change l'ardoise chaque semaine, il y a toujours un burger à la carte. C'est la première fois que tu participes au concours ? C'est la première fois que tu candidatais ou tu l'avais déjà ? Troisième et première finale. Troisième et première finale. Finale régionale, on croise les doigts. Finale nationale, peut-être d'ici quelques minutes. Inch'Allah. Inch'Allah, exactement. Merci beaucoup. Merci Simon. Écoute, je pense qu'on peut à la fois peut-être les applaudir et les encourager parce qu'ils ont besoin de vous. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Pour les 5 candidats, merci beaucoup. J'ai demandé à Arnaud Baptiste de me rejoindre. Arnaud, qui est le président de cette édition 2023 et président de cette finale sud-est. Arnaud qui déguste des burgers depuis ce matin. Ça va l'estomac ? Ouais, ça va. J'ai préparé avant de venir. J'ai fait une petite phase de digestion, mais non, je suis prêt pour cette nouvelle session. J'ai vu qu'il y avait des choses déjà intéressantes. Maintenant, on va voir l'histoire qui s'écrit autour de chaque burger et surtout les goûter. Est-ce que tu fais des burgers, toi ? Est-ce que ça fait partie des plats que tu cuisines ? Alors, ça fait partie des plats que je cuisine chez moi, mais dans mon restaurant, il n'y a pas de burger. Donc voilà, je vais peut-être décevoir des gens, mais ce n'est pas mon fer de lance. Mais j'adore les burgers, la street food, et voilà, je fais beaucoup de burgers chez moi parce que j'aime ça. Il n'y a pas une ouverture de resto prévue à Paris dans quelques semaines ? L'ouverture, c'est le 14 avril. Voilà. Attends, c'est demain ? C'est après-demain ? Ouais, c'est le 14 avril. Voilà, c'est après-demain, c'est vendredi. Donc le restaurant, c'est le Col Vert qui sera à 30 du rue des Augustins dans le 6e. Donc venez nombreux.
Mais écoutez, t'es tellement gentil que vous avez tous à manger ce soir à 19h, au service de 19h. Il n'est pas encore ouvert. Merci beaucoup Arnaud. Je laisse rejoindre les autres membres du jury que je vous présenterai dans quelques instants. On a Stéphane Korn, Joël Defi, Delphine Rénal qui est avec nous et Stéphane Leblanc de 20 minutes. Je crois que c'est le moment. On va arrêter le suspense et on va lancer le décompte. 25 minutes pour chacun des candidats. Ils vont devoir réaliser sur la base de la recette qui leur a permis d'être sélectionnés pour ce concours 4 burgers, 2 dressés et 2 découpés en 4 pour les membres du jury. 25 minutes pour réaliser tout cela. Coût produit 6 euros, pas plus, en utilisant un des hachés bœuf de Socopa. Si tout le monde est prêt, on peut lancer le décompte. Voici les 5 burgers qui vont devoir être réalisés. Vous les voyez sur votre écran. On peut tous faire ensemble le décompte, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour 25 minutes de compétition. C'est donc la finale sud-est. Allez-y, encouragez-les en diffusion live stream sur la page Facebook de la Coupe de France du burger by Socopa. Vous pouvez suivre évidemment les stories sur la page, le compte Instagram. On va laisser chacun des candidats prendre un petit peu. Stéphane, je vais demander à Stéphane, responsable culinaire de la boucherie, de me rejoindre. Bonjour Stéphane Korn, ça va bien ? Ça va, très bien. Bien, ravi de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. La place du burger dans les restaurants de la boucherie, quelle est sa place aujourd'hui ? C'est un ingrédient qui fait partie d'une carte, qui doit être au fond de carte, aussi bien au niveau de l'enfant que de l'adulte. Donc, pour tout le monde. Pour tout le monde. Quelques statistiques, quelques chiffres. Hein. Aujourd'hui, ce sont donc un Français sur deux qui mange du burger. 37 millions de Français à manger du burger, au moins un burger minimum par an. C'est 2,6 milliards, on ne se rend pas compte du volume, mais par an en France, on consomme 2,6 milliards de burgers, que ce soit en restauration ou à domicile. Et c'est d'abord le burger de bœuf qui est sollicité à base de viande de bœuf à 82% selon les derniers chiffres. J'imagine que quand on travaille à la boucherie, ça doit nous réconforter ces chiffres-là. Oui, parce que la boucherie, c'est surtout le spécialiste de la viande de bœuf. Et aujourd'hui, sur un total bœuf vendu, on est à 25% sur le burger. Donc sur une belle taux de prise. Alors j'imagine que la viande, la cuisson de la viande et la façon dont elle sera travaillée, ça va être décisif pour vous dans la notation. Est-ce qu'il n'y a que ça pour noter un burger ? Non, je pense qu'aujourd'hui, ce que je m'attends, c'est un produit qui est réalisable par quiconque. Aujourd'hui, on voit parmi le public, il y a tout âge, toute personne. Et je pense qu'au bout de 25 minutes, on va susciter l'envie. Bon, je vous laisse aller voir ce que les candidats font et réalisent en direct. Alors on va évidemment vous commenter au fil du temps les images que vous voyez sur votre écran parce que c'est important de voir les burgers qui vont commencer à se façonner, à se construire, à se monter. On a on va se rapprocher par exemple de Lionel qui a déjà participé, on le disait tout à l'heure, à ce concours. Lionel, est-ce qu'on peut raconter l'histoire du burger ? Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Qu'est-ce que tu vas utiliser comme ingrédient ? Alors on a du cheddar maturé de 12 mois avec de la ciboulette panée à la chapelure panko. Ensuite, on a la viande Socopa marinée aux épices à pulled pork. Le pain est à l'ail noir, la sucrine à l'huile de cacahuète et le lard confié à la sauce barbecue pomme cannelle. Le nom du burger et comment il était imaginé ? Le Kiss and Cheese, hommage au groupe Kiss, avec les maquillages, les piercings et tout ça. Donc voilà, on est sur le rock. Ah, très bien, et le Kiss and Cheese, donc j'imagine qu'il y a du fromage quelque part. Il est où le fromage là ? Il est là, il est en train de frire, c'est le cheddar maturé. Génial, ok, super, très bien. Avec donc les planches qui sont ici, un peu vintage, là, carreau blanc et noir pour donner pour ressembler un peu au diner aussi. Exactement. Bon, bonne chance à toi. On te laisse tranquille et on verra évidemment l'évolution donc de ce burger. Voilà, oui, le cheddar qui est en train de frire du côté de Lionel. Et on verra évidemment une fois que les burgers seront dressés à quoi les pièces vont ressembler. Alors les choses avancent tranquillement pour l'instant, il n'y a pas énormément de stress. Je vais me rapprocher de Delphine Rénal qui est commerciale Socopa Restauration. On va se mettre là Delphine. Ça va Delphine ?
Très bien. Alors déjà une première finale à laquelle tu as participé en tant que membre du jury tout à l'heure. Donc là maintenant, voilà, on sait un peu mieux comment ça se passe. Est-ce qu'on sait ce qu'on a envie de goûter, envie de manger maintenant? Bah écoutez, j'ai très bien voyagé tout à l'heure avec la tequila de Cédric. Donc j'attends de voir. C'est la finale Île-de-France, et Cédric qui a remporté cette finale. Oui, oui. Bon. Là, alors, c'est un premier passage. Il y a des choses qui t'interpellent déjà? Non, non, j'observe. Très bien, parfait. Socopa, on disait, je le disais tout à l'heure, hein, 70 ans, les 70 ans de Socopa, avec une innovation qui est lancée cette année, qui est présentée pour la première fois là, au Salon Sandwich et Snack Show. Socopa se met à l'heure US avec la saucisse hot dog qui vient de sortir. Oui, oui, comme je le disais tout à l'heure, saucisse hot dog pur bœuf et porc. Voilà. Donc je vous invite à aller regarder nos vitrines, où vous trouverez du Gravlax. Je l'avais dit tout à l'heure. Bon voilà, pour les professionnels qui sont présents. Allez, je te laisse aller voir les chefs qui sont en train de préparer voilà, les plats. Alors on est sur regardez, on est sur Sandrine. On est sur Sandrine. Sandrine de Grasse, on est en train de faire la sauce. Je vais me rapprocher de Sandrine. Sandrine, qu'est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du burger? Comment s'appelle-t-il et que va-t-on trouver dedans? Alors, ça s'appelle le Peanut Burger. D'où mon petit bandana. J'ai voulu faire ressortir le côté féminin. Ben, l'époque des années 50, c'est le rock'n'roll. Et c'est là qu'en fait, les jeunes filles ont commencé un petit peu à s'émanciper, puis à aller danser, à sortir de la maison et aller faire des balles. Et le côté féminin, j'ai voulu faire ressortir le côté sucré et doux, avec du caractère. Donc un peu de whisky, un petit peu d'épices. Un petit peu le côté acide dans les pickles, c'est ma petite touche, ça va être le cornichon frit à la fin. Voilà, tout simplement. Il aura fallu combien de temps pour élaborer cette recette? Combien d'essais ratés? Combien d'essais réussis? Alors j'ai mis du temps, j'avais un petit peu de mal à me mettre dans le thème. L'année dernière j'étais là, et là cette année le rock'n'roll, c'est vrai que bon, j'aime bien danser le rock, mais j'étais pas dedans. Et puis finalement, je suis allée chez un disquaire et un passionné qui m'a... J'ai trouvé le disque et petit à petit, le côté féminin, sucré, et puis ben, tranquillement, la recette s'est faite. Mais j'ai mis un peu de temps. Allez, on a hâte de voir à quoi va ressembler ce burger. Bonne chance, Sandrine, dans cette compétition. Un coup d'œil au chronomètre, 18 minutes 30. 18 minutes 30. Voilà, vous suivez en direct sur la page Facebook donc de ce concours. N'hésitez pas à y laisser vos appréciations, vos encouragements, puisqu'on les partage avec les candidats. N'oubliez pas aussi que vous pouvez repartager avec le hashtag CFBurger comme Coupe de France du burger. Et Sandrine le disait à l'instant, effectivement, les années 50, c'est tout un symbole. On sortait de l'après-guerre. C'était la période où on était libéré ou d'émancipation, donc et le rock and roll arrive. Et aujourd'hui, eh bien, on associe à la fois le rock and roll au fait de casser un peu les codes d'une recette traditionnelle, revisiter le burger qui est aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais le plat le plus commandé en restauration à domicile. Le burger aujourd'hui est bien plus commandé que les plats japonais, par exemple, ou la pizza qui arrive sur la troisième place du podium. C'est le burger que l'on commande le plus pour la livraison donc à domicile. Je me rapproche de Quentin qui participe pour la première fois à ce concours. Quentin, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton burger? Comment s'appelle-t-il et quels sont les différents ingrédients? Je vois la patate douce, du cheddar qui vont venir en fait y faire la composition. Et quel est le pain qui a été travaillé, qui sait qui l'a fait? Voilà, je te laisse peut-être sortir la dernière galette de... C'est quoi? Ce sont des légumes avec... Patates douces et pommes de terre, du coup, gratinées avec du cheddar Dorset Reserve. Et donc, du coup, hop. Voilà. Le burger est inspiré du sandwich américain, le Reuben Roll. Donc, il y a un sandwich avec un pastrami et du chou rouge dedans. Donc, je vais faire un coleslaw de chou rouge confit avec de la pomme Granny Smith, un pastrami maison. Et donc voilà, je me retrouve avec un cheddar dans cette réserve, le steak haché justement cuit. Comment il s'appelle? Il s'appelle le Reuben Roll, du coup. D'accord. Je vois, c'est de la pomme, c'est ça que tu as dans la main? Donc il y a un peu de notes sucrées, du coup, à l'intérieur, entre la patate douce et la pomme.
C'est ça, on a à la fois un sucré salé, on a de l'acidité avec, dans le coleslaw, je vais mettre du citron vert. Donc voilà, c'est un juste équilibre avec le gras aussi du fromage. Tout s'équilibre assez bien. Bon, il reste 16 minutes, ça va, on est dans les temps. Oui, voilà. Oui, ça va, on n'est pas prêt, on n'est pas. Hein, très bien. On verra tout à l'heure le dressage. Je vois deux disques, le rub and roll. A tout à l'heure et bonne chance. Quentin, je vais peut-être laisser la parole à... Bah voilà, parce qu'on parlait de pain. Quentin, le pain, tu l'as fait comment? Il sort d'où? C'est une pâte à croissant, donc faite maison, à l'encre de sèche. C'est toi qui l'as fait ou t'as fait appel à un boulanger? Non, c'est moi qui l'ai fait du coup. Je l'ai fait après chez un ami boulanger pour avoir un feuilletage vraiment parfait. Mais donc voilà, c'est moi qui l'ai fait. Bon, bah, très bien. Si je pose la question, c'est parce qu'on a Joël qui est là, meilleur ouvrier de France, meilleur boulanger de France, c'est ça, hein, et Moff aussi, c'est ça. La boulangerie Baptiste à Paris dans le 17e. Donc j'imagine qu'un pain comme celui-ci, Joël, ça doit attirer ton attention. Oui, bien sûr. En plus, une jolie couleur qui rendra le produit bien appétissant. Et en plus, ça change un petit peu, parce que là, il a fait en ce qu'on appelle la PLF, la pâte levée feuilletée. Donc ça change un petit peu du buns classique. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui va nous étonner et nous régaler. Tu as vu ce que les autres candidats ont fait comme pain là, par exemple là, avec Grégoire, là aussi on a un mélange de couleurs. Voilà, non, mais bien sûr, hein, mon œil est attiré en premier sur le pain, parce que voilà, hein, c'est aussi la tradition, hein. Un bon burger, c'est un bon pain à la fois croustillant parce qu'il est toasté, mais aussi moelleux, et ensuite des bons ingrédients, hein. Et ce qui fait plaisir, c'est que c'est tout ce travail et cet investissement à faire de bons produits. La qualité du pain est importante, mais la qualité de la viande aussi, les origines de la viande, évidemment, le mélange des saveurs. C'est un tout qui fait un bon burger. Oui, c'est un tout, et le consommateur cherche aussi la transparence par rapport à ses produits, cherche aussi un bon artisan pour ses qualités. Allez, je te laisse voir ce que chacun fait. Ça commence à sentir bon. 14 minutes. On est dans les temps. On ne stresse pas. Tout va bien pour le moment. Voilà, vous avez sur votre écran donc Grégoire qui est en train de préparer donc ses appareils, comme vous pouvez le voir, avec les quatre pièces. Je rappelle qu'en 25 minutes, il faut dresser donc les quatre burgers, deux qui seront présentés de manière officielle et deux autres découpés en quatre pour pouvoir être testés et goûtés par les membres du jury. Il reste 13 minutes. On souffle à Sandrine le temps qui reste. 13 minutes 20, 18, 15, allez, 13 minutes 15 pour être précis sur le chronomètre. On voit vos messages sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je vais me rapprocher de Stéphane Leblanc, journaliste 20 minutes. Bonjour Stéphane, je suis là. On va se mettre au milieu, voilà, juste derrière peut-être Grégoire. Journaliste 20 minutes, amoureux de l'art culinaire aussi, j'imagine, forcément. Bah oui, forcément. Cette compétition, on la suit pratiquement depuis le début. La deuxième année, donc c'est vraiment quelque chose, un rendez-vous qu'on ne manque pas. Alors merci très sincèrement de suivre cette compétition. Effectivement, c'est aussi grâce à vous, grâce à la presse, grâce à 20 minutes, au travail que vous faites, que ce concours prend de l'ampleur chaque année. Pour avoir suivi l'évolution de ce concours, aujourd'hui on a des chefs qui performent avec des créations qui sont absolument bluffantes. Le burger, ça fait vraiment partie des phénomènes gastronomiques de société? Je pense que c'est plus que ça, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'art, en fait. Toutes ces créations, ce sont des burgers inédits qu'on ne goûtera probablement jamais ailleurs que chez leur auteur. C'est vraiment une vraie cuisine d'auteur. Ce n'est pas de la cuisine gastronomique, c'est de la cuisine qui reste populaire, avec des ingrédients accessibles, avec des coûts qui sont tout à fait raisonnables. Mais il n'empêche, ce sont quand même des œuvres d'art. Des œuvres d'art, mais je crois que ce qui est important, et surtout vous, sur le travail que vous faites, Stéphane, c'est de rendre la gastronomie, de rendre ce type de cuisine accessible à tout le monde. Oui, on essaye de montrer qu'effectivement, n'importe qui peut y goûter, d'abord, enfin, surtout quand on vient ici, c'est quand même plus facile, mais également quand on se rendra sur place, il y a quand même une bonne vingtaine de
de chefs qui vont continuer à cuisiner leurs burgers. Et donc, dans toute la France, on pourra déguster ces burgers. Après, effectivement, dans chaque région, il faut faire la publicité de ces burgers qui sortent un peu de l'ordinaire et qui permettent de manger des bonnes choses pour un coût tout à fait raisonnable. Voilà, mais certains chefs nous le disaient tout à l'heure, hein, le simple fait de participer à ce concours, sans forcément accéder à la finale nationale, sans forcément être le grand gagnant, ça leur ouvre déjà des portes en termes de développement, en termes de développement de chiffre d'affaires. Ce concours, c'est aussi une visibilité qui permet aux chefs de créer et d'exister. Oui, parce qu'on les voit, ils sont très jolis, on a envie d'y goûter. Et donc, dès qu'ils passent quelque part en vaudon, on se dit, oh, bah, dis donc, ce burger-là, il a l'air vraiment top. Si c'est pas loin de chez moi, j'y vais. Bon, on lit 20 minutes demain, on a les résultats demain, c'est ça? On les a même ce soir sur Internet. Merci Stéphane, merci beaucoup. Voilà, regardez ce que les candidats font. Il reste 10 minutes 30. Allez, ne soyons pas avares sur les secondes. 10 minutes 30, on a dépassé la moitié du temps réglementaire. Vous voyez donc sur votre image Sandrine qui est en pleine préparation, concentrée. On commence. Alors regarde. Alors, on s'en rend compte quand on est sur place, peut-être un peu moins quand on est à distance, mais on a des mélanges d'odeurs, de saveurs qui sont absolument délicieux, n'est-ce pas Delphine, hein? On aurait envie de manger. Quelle heure est-il d'ailleurs? Est-ce que c'est 14h? C'est l'heure du goûter, c'est un peu tôt le goûter. Mais c'est vrai qu'on a des odeurs là, je ne sais pas si ça vient du côté de Grégoire ou du côté de Sandrine ou d'autres candidats, mais alors ça sent très 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 bon ici. Il reste 9 minutes 40. Le Fried 45, voilà, regardez, on est actuellement sur ce que on est en train de réaliser du côté de Simon. On est donc en train... Tu peux nous dire ce que tu fais, Simon ? Je suis en train de mettre un coup de chalumeau à mon provolone fumé pour qu'il ait un petit côté extra fumé, en fait. Et voilà. C'est quoi ? C'est du cheddar ? Non, provolone fumé. Provolone, ouais. D'accord, très bien. Quels sont les autres ingrédients que je vois ? Alors, je vois des oignons confits. Oignons confits, oignons grelot. Confit au Jack Daniel's Fire. Et après, voilà, confit normalement... avec de la cassonade et du vinaigre balsamique. On a des poivrons grillés, tout simplement grillés avec un petit peu d'huile végétale et des épices cajun. Et on a également une sauce qui est une sauce... J'ai transformé un sauce en plat populaire de Louisiane, en fait, on va dire, qui est à base de tomates, de lard fumé, de haricots rouges et de Jack Daniel's Fire également. Bon, allez, je te laisse te concentrer. Il reste 8 minutes 30, ça va, on est dans les temps? Oui, ça va. Ah, 8 minutes 30. Allez, il ne faut pas perdre une seule seconde. 8 minutes 15 maintenant et on voit effectivement les secondes qui défilent. Vous voyez actuellement Simon qui est en train de déjà d'habiller donc le pain de la sauce. Et ce qui est assez bluffant dans ce concours, c'est qu'il faut vraiment attendre les dernières minutes pour voir les burgers monter et dresser. Pour toute la splendeur de ses créations, on casse les codes d'une recette traditionnelle. Et c'est aussi ça, la Coupe de France du burger by Socopa, c'est l'occasion d'offrir à des chefs eh bien, la possibilité de créer, de réinventer et de proposer des recettes qui sont totalement inédites. On échangera tout à l'heure avec des gagnants déjà de cette coupe, puisqu'on a Nicolas Villaume qui est avec nous, qui sera avec nous lors de la prochaine finale. On a la chance d'avoir Christophe Boyer qui est le gagnant de l'année dernière, on a aussi Arnaud Baptiste hein, qui est le président donc de cette année. J'en profite pour saluer les autres anciens, les anciens candidats, les anciens lauréats qui nous suivent peut-être à distance. Vincent Bocara qui était le lauréat en 2017, qui nous propose un burger installé à Paris. On a Joanne Richard qui a remporté de manière ex aequo le concours il y a 2 ans et qui vous fera vivre, qui vous fait vivre là aussi toute l'histoire du burger sur les réseaux sociaux. Il reste 6 minutes 45. Voilà, à l'écran, on est sur Quentin. On commence à dresser les pains briochés comme vous le voyez.
Alors, les voici, voilà. Voilà les créations de Quentin. Donc, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Alors, on a la pomme granny. C'est ça, c'est la pomme granny. Non, c'est le fromage. C'est le fromage avec l'installation dans quelques instants. Ouais, on va peut-être effectivement fumer, brûler. Regardez, voilà. On va faire fondre le fromage. Wow. Le coût produit à ne pas dépasser de 6 euros. C'est important, c'est un des critères de sélection pour faire partie de ce concours. Donc chaque burger ne doit pas dépasser les 6 euros en coût produit et doit être facilement réalisable après sur une échelle un petit peu plus grande. Donc ça fait partie des critères. Il y a à la fois l'aspect de la viande, il y a le mélange gustatif, la créativité, l'histoire qui est racontée tout autour de ces burgers. Il reste 5 minutes 30, on va accéder là aux dernières minutes où ça va être un peu le coup de speed pour les candidats. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas perdre de temps. Regardez le travail qui est fait en ce moment là du côté de Lionel. Voilà, les steaks sont retournés, les pains sont chauffés. Il va falloir commencer à dresser dans quelques instants. Je vois l'œil aguerri de chacun des membres du jury. C'est là où vous n'avez pas droit à l'erreur si vous voulez accéder. Et c'est le but aussi de ce concours, de participer à la finale nationale tout à l'heure qui se tiendra à 16h30. Pour être précis, 4 minutes 50. 4 minutes 50 de jeu, de concours. Et après, ce sera fait pour la région sud-est. Voilà, ça... Déjà, s'adresse du côté de Grégoire. Vous le voyez, les deux burgers à droite sont déjà découpés en quatre pour les membres du jury. Les deux autres, on les dresse voilà, sur un présentoir en forme de guitare. On est en rapport avec le thème. Oh là là, regardez ces produits, regardez ces mélanges, regardez ces couleurs qui sont ici. Est-ce que le burger sera bon? Est-ce qu'il sera à la hauteur de ce que les membres du jury attendent? Nous le verrons dans quelques minutes, il reste 4 minutes. 4 minutes. On est en train de sortir voilà, du côté. Là, c'est Quentin que vous voyez sur l'écran. Non, c'est pas Quentin, pardon. On est voilà, du côté de. C'est Simon. Là-bas, voilà. Simon que vous voyez sur l'image. Regardez la composition donc, du burger. J'en profite pour remercier Molinel. Molinel qui est le fournisseur de toutes les vestes. Des candidats, Fischer, la marque Fischer avec des produits made in France, les couteaux fabriqués en France de qualité professionnelle et Stéphane Molinel tout à l'heure nous disait voilà, on a pour projet de sortir cette année un coffret à destination de ceux qui travaillent en restauration rapide pour les burgers et puis un grand merci à Casselin aussi qui est fournisseur des planchas et de la plaque de maintien au chaud pour les membres du jury. Il reste 3 minutes 15. 3 minutes 15, Simon, c'est pas le moment de prendre du retard. Je vois un petit peu de pression là, sur le visage de Simon. On a Stéphane Korn qui est attentif à ce que Simon est en train de réaliser. Là, on était sur Lionel. Restez concentrés. Il vous reste moins de 3 minutes. Moins de 3 minutes. N'oubliez pas d'avoir un présentoir qui est propre, qui est beau. Il faudrait peut-être un peu nettoyer là, Lionel, hein, les présentoirs. Là. Si bon, quelque chose à voir... Je vois un peu de sauce là, mais voilà, juste avoir quelque chose de beau. On est dans les temps encore, hein. Si vous avez pris un peu d'avance, 2 minutes 30, ça va, tout va bien. Allez Quentin, il va falloir penser au dressage. Sandrine, le voici, le Pin-Up Burger sur votre écran. Regardez, là de l'autre côté, nous sommes avec du côté de Simon. Regardez ce qui se passe là-bas avec les pains colorés, les micros qui symbolisent les années 50. Voilà. Grégoire, c'est bien Grégoire. On est dans les temps, il reste 2 minutes. Écoutez, je vous sens plutôt décontracté là les amis. Il y a pas de... Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de coup de pression sur la fin, mais Sandrine a quasiment terminé. Il faudra penser à présenter donc à les dresser. Voilà. Sur l'écran en ce moment, la présentation donc des pains de Quentin. Les voici. Il reste 1 minute 30. C'est la finale sud-est.
Sandrine est encouragée par sa fille qui est dans le public. Ben oui, reconnaissable entre autres avec le bandeau. Allez, il reste 1 minute 20 les amis, 1 minute 20. Et c'est là où tout va se jouer. Pas de place à l'erreur en termes de présentation. Pensez à effectivement à bien découper 2 des 4 burgers. Voilà, Simon a pratiquement terminé. Je vois quelques sonneries qui sonnent. On a le temps, on a le temps, Lionel. Pas de panique. 1 minute, on a le temps, tout va bien. Ce qui est important, c'est de dresser. Ce qui est important, c'est pour les photos, dans un instant, que vous ayez 2 burgers extrêmement bien présentés. Il reste 50 secondes. 50 secondes. Vous vivez la finale sud-est. La 4e finale régionale. Il y en aura une 5e tout à l'heure à 14h45, la finale ouest. Et nous aurons après les 5 finalistes qui participeront à la grande finale nationale tout à l'heure à 16h30. Il reste 30 secondes. Attention. Sandrine a terminé dans les temps. Yes, elle est heureuse, elle est contente. 15 secondes. Attention, à la fin du décompte, je veux voir les mains levées. Je vois que Grégoire a terminé. Quentin, pratiquement, à la petite surprise. Attention, 7, 6... 5, allez tout le monde, 4, 3, 2, 1, on lève les mains, c'est terminé, on peut vous applaudir bien, 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 bien fort. Allez, on l'a refait pour l'image, Sandrine, Sandrine qui termine. Voilà, bravo à vous, on va faire un petit tour d'horizon de chacune des créations. Je vous propose très rapidement de récupérer les burgers qui ont été découpés avec les membres du jury qui vont se retirer maintenant pendant une 20aine de minutes pour que l'on puisse les déguster, ces burgers. Voilà, donc on va récupérer les burgers, pardon, voilà, comme ceci. Et on va passer en revue donc chacune des créations, un à un. Avec donc le premier burger qui est celui de Grégoire. On va vous montrer ce que Grégoire a réalisé. Ça va Grégoire? Très serein en fait, pas de stress en fait, tout va bien? Ça va mieux. Ça va mieux. Alors, on regarde effectivement dans ta création, est-ce que ça correspond à ce que tu souhaitais faire exactement? Est-ce que le résultat est à la hauteur de tes attentes? Oui. Oui? Oui, c'est bon. Oh, parfait, donc la recette était bien calée. Comment est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as mis là-dessus pour faire briller? On voit le haut en fait, du buns qui est un peu plus brillant que sur les autres. Vinaigrette légèrement mielée, c'est la même qu'il y a avec l'étui iceberg dessous. D'accord, très bien. Avec le présentoir, by Grégoire Serre. Très bien, qui est signé, labellisé. C'est ça. Bon, ça c'est bien. Donc demain, ce burger, on le retrouve où? Mardi au restaurant. C'est vrai? Ah bah super, très bien. Donc on vient chez toi, Étoile sur Rhône, près de Valence. Hein, le restaurant s'appelle Une Fin de Loup. Écoute, on espère j'espère aussi que tu espères te retrouver en finale nationale. Ce sera donc tout à l'heure, on voit l'intérieur du burger qui est absolument parfait. C'est quoi le type de viande que tu as utilisé parmi les hachés proposés par ce copain? C'est le haché tradition classique, oui. D'accord, belle composition en tout cas et belle... On l'a farci au cheddar. Et bel équilibre. Bonne chance Grégoire, bravo, bravo à toi. Voilà en tout cas une des premières compositions de nos chefs. On va peut-être se diriger vers, pourquoi pas Simon. On va voir si Simon a respecté. Regarde, alors ça c'est génial, on part, c'est sur le radio là, regardez. On a le micro, on a le on-air et le disque. Ça va? Ouais, il m'est manqué 10 secondes. Qu'est-ce qui manque là? Bah, c'est le siphon, je l'ai mis pas comme je voulais. Mais après, c'est cool, je suis content. Mais il me manquait 10 secondes. Bon, alors, tu peux nous. Quand on voit les images là sur l'écran, tu peux nous expliquer en fait ce que l'on voit, la composition du burger? Pain au charbon végétal avec une rondelle de pain classique et épices cajun, bien entendu, dans le pain. La sauce, c'est un plat de Louisiane révisité à façon de sauce, donc base de sauce tomate, de whisky fire, et, lardon fumé, haricots rouges, épices cajun. Après, on a le steak charolais farci avec justement les éléments solides de la sauce que je viens de citer. Salade sucrine, provolone fumée, poivron grillé aux épices cajun et le petit siphon à la mimolette vieille avec du Jack Fire et du piment. C'est
J'ai envie de dire, il faut faire Sciences Po là, pour reproduire la recette de Simon. Et moins de 6 euros pour le coût produit, moi je te dis bravo, félicitations, parce que c'est quand même 5,80, me dit-il. Ça donne envie, je peux te dire qu'on a faim. Bonne chance Simon, à tout à l'heure. Je vais me rapprocher de... Oui, vous pouvez applaudir Simon, parce qu'il y a les supporters qui sont là. N'hésitez pas, ne soyez pas avares de compliments et d'applaudissements. Le voilà, le Peanut Burger. Sandrine, alors ? Oui ? Ça y est, le pari est réussi ? Je suis contente de moi. Après, c'est pas moi qui décide, mais déjà d'être fière de soi, c'est juste énorme. Bon, en tout cas, effectivement, il y a le côté girly qui ressort avec... avec le ruban. En termes de composition, en termes d'équilibre de ce que l'on voit, ça correspond parfaitement à ce que tu voulais ? La présentation, un peu le steak a foiré en fait, mais sinon ça va. Comment ça il a foiré ? Il n'est pas assez rond, enfin pas assez... Ok, bon alors ça c'est vraiment le détail de la pro. Hein, c'est... Non mais il est gourmand, c'est déjà pas mal. Voilà, exactement. Là aussi on est vraiment donc, à un coût produit inférieur à 6 euros, hein, c'est ça Sandrine ? Pardon ? Coût produit inférieur à 6 euros. Oui, bien sûr, moins de 6 euros. Moins de 6 euros. Bon, allez, je te laisse nettoyer la plancha. Il y en a qui sont très précautionneux, puisqu'effectivement, il y a une autre finale qui se prépare. Quentin, alors la présentation, la voici. Alors, ça, c'est la petite surprise du chef à la fin avec la main rock'n'roll qui ressort. Ça a été fait en quoi ? Comment ça a été fait, ça ? C'est un moulage avec de l'alginate. En fait, c'est du plâtre, du coup. L'alginate a pris la forme de la main et c'est la main de ma femme, hein, c'est pas la mienne. Mais ouais, du coup, c'est du plat. Et spécialement fait pour le concours ? Fait pour le concours et c'est rock'n'roll, donc elle a failli pas sortir, mais elle est sortie, c'est bon. La composition, l'équilibre du burger, ça correspond à ce que tu voulais avoir ? Oui, quelque chose près, on est pas mal. On verra bien. Très bien, on verra bien, mais écoute, bonne chance. Merci, merci Quentin, puis on va terminer avec Lionel. Où est-ce qu'il est parti, Lionel ? On va récupérer Lionel, je pense que... Lionel, il est là-bas. Ah, Lionel, viens. Bon, alors ça y est, le résultat final, il est là. C'est conforme à tes attentes ? C'est conforme à mes attentes. Je l'ai sorti comme je voulais, comme à l'entraînement. Donc maintenant, comme on dit, la balle est dans le camp des jurys. Tu peux nous redétailler un peu le pain, en fait ? Comment ça a été fait, structuré ? Est-ce qu'on voit effectivement qu'il y a du volume, qu'il y a de la matière ? C'est quoi ? Alors, il y a deux pâtes, en fait. Vous avez le pain à l'ail noir de base, celui-là, qui n'est pas noir. C'est là où c'est marrant. Ensuite, là, vous avez vraiment un pain à l'ail noir où j'ai forcé la couleur pour vraiment insister sur le maquillage du groupe Kiss et rajouter plein dessus de graines de courge pour faire comme les piercings et les bracelets en pique. Après, vous avez le cheddar maturé, affiné, à la ciboulette et à la chapelure panko, la viande assaisonnée aux épices à poule porc, le lard confit dans de la sauce barbecue pomme cannelle et la sauce moutarde au miel. En tout cas, ça a l'air hyper appétissant. J'imagine que les membres du jury se régalent à le déguster. A tout à l'heure, Lionel. A tout à l'heure. Merci à vous. Voilà, vous avez fait plus ample connaissance et vous connaissez tout maintenant des 5 finalistes de la région sud-est. Je propose que l'on marque une petite pause sur le stream. Il est 14h13. On se retrouve dans une dizaine de minutes à 14h25 pour vous annoncer les résultats de cette quatrième finale régionale. Et on se retrouvera après pour la cinquième. Donc rendez-vous à 14h25 pour l'annonce des résultats. A tout de suite, merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Villaume et je suis champion de France du burger 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute dernière tendance venue des États-Unis, le Smash Burger, qui va amener un plus à votre carte. C'est un burger avec un très bon goût de grillé et très rapide à faire. C'est un burger à base de steak haché frais que je vais écraser sur une plaque de cuisson à l'aide d'une spatule ou d'une presse à viande. Je vais le laisser 10 secondes tel quel. Je vais commencer à le smasher. Je le laisse cuire 10 secondes. Je vais le retourner. Je vais le laisser cuire encore 10 secondes et je vais l'assaisonner. Donc là, nous voyons que le choc thermique a créé une croûte croustillante tout en gardant le moelleux du steak à l'intérieur. C'est que l'on peut être très créatif en faisant des burgers multi-steak et surtout en maîtrisant son coût portion.
De retour ici, porte de Versailles, à l'occasion de l'édition 2023 du Salon Sandwich et Snack Show pour vivre ensemble l'édition 2023 de la Coupe de France du Burger by Socopa. Il y a de plus en plus de monde et merci en tout cas d'être présent. On va vous annoncer dans quelques secondes maintenant les résultats de l'avant-dernière finale régionale. Il s'agit de la région sud-est. Vous avez les cinq finalistes qui sont là devant. Voilà, on a Sandrine que vous voyez sur votre écran à gauche. Juste à côté, c'est Grégoire. Quentin est là au centre de l'image. Vous avez Lionel qui est ici et Simon qui est donc à mes côtés, juste avant d'accueillir le président du jury qui va nous annoncer les résultats. Je crois déjà, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux, qu'on peut applaudir très très fort les cinq finalistes qui ont fait un travail titanesque. Il faut bien comprendre une chose, même si certains ont plutôt l'air sereins devant vous là aujourd'hui, certains se sont préparés pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, et que dans quelques instants, eh bien, un sera un peu plus heureux que les autres puisqu'il accédera à la finale nationale. Et les autres, quoi qu'il arrive, ne sont pas perdants puisqu'on vous l'a régulièrement dit au cours de cette journée, c'est que quoi qu'il arrive, le simple fait de participer à cette Coupe de France du Burger, eh bien, vous permet d'accroître votre visibilité, votre développement commercial, et ça, c'est déjà quelque chose de très très bien. Simon, quand on regarde ce que les autres candidats ont fait, quel est ton sentiment? Est-ce que tu as un avis sur de ta réalisation et l'ensemble des autres créations des chefs aujourd'hui? Ah, c'est magnifique, hein. C'est les niveaux, les super hauts en fait. Moi, c'est la première, donc voilà, je suis admiratif. Et après, on va tout miser sur le goût, parce qu'il y en a qui sont plus beaux que le mien, faut dire la vérité. Donc voilà, non, blague à part, c'est bien. Et je suis très content d'être là déjà pour cette première fois. Et non, c'est super cool, ouais. Bravo à tout le monde. Merci en tout cas à toi. Et pour ceux qui veulent voir Simon, c'est Restaurant Good à Antibes. Exactement, 06. 06. Merci, merci. Lionel, alors un avis sur ce que les autres chefs ont fait aujourd'hui? Très très beau aussi, et comme ça a été dit, il y a du niveau, donc on verra bien. Après, moi aussi je suis satisfait de ce que j'ai sorti, et bonne chance à tout le monde. Et bonne chance à tout le monde. Je rappelle que si vous voulez rencontrer Lionel, c'est à Bédouin dans le Vaucluse. On mange bien, on mange bien, 84, on mange bien, on boit bien aussi. Attention au vin du Ventoux, hein, parce que ça, il tape un peu. Quentin, à Clermont-Ferrand cette fois-ci. Quentin, donc un avis sur les autres créations des chefs? C'est une folie déjà d'être là, on se rend compte qu'il y a un niveau incroyable. Et au final, quand on nous dit que le burger est associé à la malbouffe et au fast-food, en fait, on voit qu'il y a au moins 25 personnes, peut-être au moins 24, sans moi, on va dire. Qui ont tout donné et qui donnent de la noblesse au burger et voilà, qui essayent de se battre contre ça. Donc ça va très bien avec le thème du rock qui se battait à l'époque contre l'anticonformisme, enfin voilà, pour l'anticonformisme. Donc voilà, c'est... Il a tout dit, non mais tu fais bien de le répéter, on peut manger vite et bien, hein, c'est aussi une des missions du burger qui n'a rien à voir avec, parce que vous avez sorti aujourd'hui, ce qu'on voit sur les images n'a rien à voir avec ce que les grandes chaînes de fast-food produisent aujourd'hui. Ce sont des vraies créations de chefs que vous proposez aujourd'hui, qu'on pourra retrouver dans ton resto à Clermont-Ferrand. Ouais, on est en train de monter un resto en plus du food truck et on pourra retrouver ouais, des burgers toujours plus travaillés, toujours... pousser plus loin la créativité et c'est se challenger au quotidien. Et en attendant, c'est au Taylor's à Clermont. Exactement. Merci en tout cas à toi. Grégoire qui est à tes côtés, une fin de loup à Étoile-sur-Rhône, c'est près de Valence, où on peut venir goûter tes créations. Le burger que tu as sorti, tu en es content, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Quand tu as eu le temps de regarder ce que les autres ont fait aussi? Ouais. Ouais, le niveau il est fou. Enfin, tout le monde c'est bien en fait, donc il n'y a personne qui se détache, chacun a son propre style, donc c'est cool. On croise les doigts pour la finale nationale et hop là, je passe devant pour retrouver Sandrine. Ça va Sandrine, contente du résultat, contente, surprise aussi de ce que les autres ont fait, parce qu'une compétition, ça se mesure avec ce que les autres font aussi. Oui, je pense après, moi je me suis vraiment fait plaisir, je suis très heureuse d'être là et bravo à tous parce que ils sont tous magnifiques, autant les uns que les autres. Et c'est une belle compétition, un bel événement, super bien organisé et merci pour l'accueil, merci à vous. Moi, je suis heureuse. Ça sert à rien. Bon, bah, super. Et si vous voulez manger des bons burgers du côté de Grasse, c'est ça. C'est Sandrine Event Traiteur avec un projet de food truck, c'est ça? Le food truck est déjà sorti. Ça s'appelle la Brigade du Feu. Ah, et où est-ce qu'on peut la retrouver? Ce sera tous les jeudis à Grasse. Et sinon, je fais des événements.
Super, merci en tout cas Sandrine de cette participation. Je jette un petit coup d'œil du côté de la porte de la salle de libération, elle est ouverte. Elle est ouverte, on va donc pouvoir vous annoncer les résultats d'ici quelques secondes maintenant. Voilà les membres du jury qui sortent. Et si c'est pas la synchronisation, ça dites-moi les amis. J'ai demandé à Arnaud Baptiste de me rejoindre, il a l'enveloppe entre les mains. Arnaud, mets-toi à côté de Simon, je t'en prie. C'est un moment difficile et on l'a vu sur les précédentes finales régionales, c'est que là tout le monde espère accéder à la finale nationale, mais il n'y a qu'une place par région, Arnaud, et on l'a vu tout à l'heure, il y a des larmes à la fois de la part des candidats qui accèdent à la finale nationale, mais certains ont les larmes aux yeux parce qu'ils ont tout donné pendant des semaines, pendant des mois, pendant 25 minutes et qu'ils n'accéderont pas à cette finale nationale, c'est difficile. Bah, c'est un peu un concours en fait. Donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours un gagnant, mais il n'y a jamais de perdant parce que c'est déjà bien d'en arriver jusque là. Je dirais pas que l'important c'est de participer parce que c'est toujours mieux de gagner, mais l'important c'est d'aller au bout de ses idées et d'être content de ce qu'on a fait. C'est le plus important. Et pour toi c'est le plus important, l'enveloppe elle est ici. On va donc vous annoncer le podium de cette finale de la région sud-est sur la troisième marche du podium. Le troisième, le Kiss and Cheese. Lionel est troisième cette année. Félicitations, vous pouvez applaudir Lionel. Il reste en lice Grégoire, Quentin, Simon et Sandrine. Voici qui se hisse sur la seconde marche du podium pour la région sud-est. Alors à la seconde place, on retrouve le Pine Burger. Et c'est Sandrine qui est sur la deuxième marche du podium. Bravo Sandrine. Alors maintenant, on va connaître celui qui accédera à la finale nationale tout à l'heure à 16h30. Il reste Grégoire, il reste Quentin, il reste Simon. Ils sont trois pour une place. Une place qui est convoitée. Chacun a ses supporters dans la salle. Et Arnaud, il nous faut un gagnant, un nom. Le gagnant est le Diner Burger. Et c'est Grégoire Serre, Grégoire qui accède donc à la finale nationale tout à l'heure. Grégoire que l'on va retrouver à 16h30. Applaudissements pour tous les candidats, pour Quentin aussi, pour Simon et pour tous les autres. Bravo, on remet évidemment la part de Socopa, la part des partenaires, le trophée, le chèque de 500 € et les cadeaux offerts par nos partenaires. Voilà, vous pouvez encourager Grégoire Serre qui accède à la finale nationale tout à l'heure, qui représentera la région sud-est. Merci à vous. Je vous propose que l'on se retrouve dans 10 minutes à 14h45 pour la dernière finale régionale. Après le sud-est, nous partirons dans l'ouest avec nos 5 derniers chefs. Ça sent bon ici. On a faim et on va déguster dans quelques minutes, donc tout à l'heure. 5 nouveaux burgers. Rendez-vous dans 10 minutes pour suivre en direct la Coupe de France du burger by Socopa.